véhicule est en état de crise. Des centaines de voyageurs ainsi que des employés seraient morts. Nous avons reçu confirmation qu'il s'agit bien d'un attentat terroriste. La guerre des gangs s'intensifie avec des groupes comme les Burners, mais aucun signe de T0, la nouvelle unité anti-émeute qui a coûté des millions. Les hommes de T0 bénéficient d'un statut militaire. On nous signale que le poste de police d'Oak Street est attaqué par des terroristes. Nous vous tiendrons informés en temps réel. Just like a man, I am immune to the disease that's inside you. Now don't believe I can be calm like my daddy. By my mother. Just like a man. Vous êtes sur Channel 7 News. Ici la New York pour Channel 7 News. Notre ville est en état de crise. À 5h ce matin, une explosion a dévasté la gare de Grand Plaza. Des centaines de voyageurs ainsi que des employés seraient morts et de nombreux autres blessés. Nous avons reçu confirmation qu'il s'agit bien d'un attentat terroriste. Deux groupes de fondamentalistes du Moyen-Orient en revendiquent la responsabilité. Au cours d'une réunion de crise, les officiels du gouvernement ont décidé d'accentuer le verrouillage de la ville en décrétant un couvre-feu et des secteurs interdits au public. La guerre des gangs s'intensifie avec des groupes comme les Burners. Ce gang disposerait de 200 membres et ne cesse de grandir. Mais aucun signe de T0, la nouvelle unité anti-émeute qui a coûté des millions. Cependant, l'une de nos sources militaires a révélé à Channel 7 News que T0 passera à l'action dans la journée. Les hommes de T0 bénéficient d'un statut militaire et disposent d'armes améliorées. Et notamment du très controversé pistolet RP0. Vous le savez, T0 ne dispose guère du soutien du public. Certains considèrent l'unité comme une coûteuse campagne de pub pour le maire. On nous signale que le poste de police d'Hope Street est attaqué par des terroristes. Pour le moment, ce poste sert de base à T0. C'est le premier vrai test de T0. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation en temps réel.
Channel 7. Vous informez à notre métier. J'étais sûr que vous seriez une recrue intéressante pour T-Zéro. Entrez dans cette pièce et attrapez un bouclier entier. Entrez dans cette pièce et attrapez un bouclier entier. Il faut vous équiper d'un bouclier anti-émeute avant de continuer. Le boulot de T-Zéro, c'est de nettoyer cette ville des racailles. Ce bouclier va vous aider à rester vivant. Alors, pensez vous en servir. Vous disposez aussi d'un modèle standard de pistolet paralysant. Utilisez-le pour prendre certains de ces salopards vivants. Ça nous évitera des ennuis par la suite. Central, je veux qu'un pompier aille retrouver l'officier Mess. Il a besoin d'un coup de main pour entrer dans le bâtiment principal. Pas de problème. Brigade 13, j'ai besoin d'aide pour l'officier Mess. Je veux qu'un pompier le retrouve à l'extérieur. De la brigade 13. Mais ça, retournez en haut. Un pompier vous y attend. Je le retrouve en haut. Alors comme ça, c'est vous, T-Zéro. Vous êtes aussi terrible qu'on le dit. Vite, par ici. Salut, je dois me présenter à l'officier Mason. C'est vous? Super. En route. Il y a une porte là-bas. Je vais l'enfoncer. Vous me couvrez. Unité 41, on a un 10-13 allant de Fort Street to Main. Central, ici unité 15. Je suis bloqué sur le côté. C'est chaud. J'ai besoin de renfort immédiatement. Il y a un autre de ces salopards là-bas. Descendez-moi ce mec. Votre offre.
Merci, mon gars. Alors c'est vous, T-Zéro. Super. Je dois obéir à vos ordres, c'est bien ça. Cette porte là-bas est bouclée, et je pense que je peux l'enfoncer. Dès que vous pensez qu'il n'y a plus de danger, donnez-moi l'ordre et je m'en occupe. Comptez sur moi. On n'y voit rien ici. Vous avez une lampe torche? Utilisez-la. On devrait pouvoir isoler la section. Je vais utiliser cette valve. Faites le tour de l'autre côté et essayez d'en trouver une autre. Utilisez votre bouclier pour franchir les flammes. On devrait pouvoir isoler la section. Je vais utiliser cette valve. Faites le tour de l'autre côté et essayez d'en trouver une autre. Utilisez votre bouclier pour franchir les flammes. Allez, viens par là. Prends ça dans ma gueule. Il devrait y avoir une valve quelque part par là. Continuez à chercher. Il devrait y avoir une valve quelque part par là. Continuez à chercher. Vous avez trouvé la valve ? Hey, qu'est-ce que vous foutez ? Vous avez trouvé la valve ? Il devrait y avoir une valve. Ok, je tourne la mienne. Bravo. Encore un peu d'entraînement et je vous pistonne pour intégrer mon équipe. En route ! Pas de problème. Super, c'est génial de bosser avec vous, Mason. Je retourne devant. Continuez. Mason, on a besoin de vous au vestiaire. On dirait que les renforts sont arrivés. Ah, enfin. Qui êtes-vous? Ah, T-Zéro. Je suis heureuse de vous voir. Je m'appelle Jen. Jen Delaney. Si vous avez besoin de soins, venez me voir ou tout autre secouriste. Je vous soigne. Bon, revenez si vous changez d'idée. J'ai d'autres blessés ici. Continuez sans moi. Je crois qu'on a besoin de vous à l'administration. Centrale, ok. T-Zéro, continuez jusqu'au quartier cellulaire. Le chemin le plus rapide est par le bureau de devant. Bon, revenez si vous changez d'idée. Jusqu'au quartier cellulaire. Mason, on a besoin du chef de gang. Ils sont bien retranchés là-dedans. Nous avons de nombreux suspects, y compris un possible chef de gang sur une position barricadée. Servez-vous de votre bouclier comme protection. Il nous faut le chef vivant. Alors utilisez votre bouclier pour l'approcher avant de neutraliser. Chopé.
Vous avez fait de votre mieux. Mais on doit absolument prendre vivant ces chefs de gang. Par ici! Servez-vous de votre pistolet paralysant. Je suis content de vous voir. Voilà la situation. Estevez retient mon coéquipier en otage. J'ai un autre officier qui tente de parlementer. Ça a pas l'air bon. Vaut mieux utiliser votre arme de poing dans une situation de prise d'otage. Et dès que c'est fait, on va se faire cette ville. Oh merde ! Franck s'en est pris une aussi ! Il est mort ! Descendez-le maintenant ! Il recharge ! Hé ! Par ici ! Je suis content de vous voir. Voilà la situation. Estevez retient mon coéquipier en otage. J'ai un autre officier qui tente de parlementer. Ça a pas l'air bon. Vaut mieux utiliser votre arme de poing dans une situation de prise d'otage. C'est plus précis. Je vais t'égorger. Tu m'auras pas. Je me casse d'ici. Et dès que c'est fait, on va se faire cette ville. J'en ai pris une aussi. Il est mort. Descendez-le maintenant. Il recharge. Hé ! Je suis content de vous voir. Voilà la situation. J'ai un autre officier qui tente de parlementer. Vaut mieux utiliser votre arme de poing dans une situation de prise d'otage. C'est plus précis. Tu m'auras pas. Calme ici. Et dès que c'est fait, on va se faire cette ville. Franck s'en est pris une aussi. Il est mort. Descendez-le maintenant. Il recharge. Ne laissez pas ce salopard se barrer. On dirait qu'il va en retraite. Si vous vous approchez trop près, il va paniquer. Et vous pouvez être sûr qu'il va descendre l'otage. Je suis ici si vous avez plus de... Ils peuvent s'amener partout. Descendez-le maintenant. Il recharge. Sauvez-moi. Je me sens plus tranquille, sachant que vous trouvez mes derrière. Descendez-le vite. Une situation de prise d'otage comme ça. Vous m'avez sauvé la vie. Je suis pas prêt de l'oublier. Vous vous en êtes bien tiré là-dedans, Mason. Mais pourquoi avez-vous descendu ce chef de camp? On a besoin de ces gars vivants pour en apprendre plus sur leur plan. Ok. Je veux une équipe médico-légale ici le plus vite possible. Et je veux que vous me retrouviez en salle d'opération pour un rapport complet. Maniez-vous, on n'a pas que ça à faire. Ici Sally Taylor, en direct à l'extérieur du poste de police de...
Vous êtes sur Channel 7 News. Ici Lani York pour Channel 7 News. Ça a été l'une des pires attaques de gang. Le poste de police de Hope Street et les services d'urgence sur place ont subi un attentat terrible le mois dernier. T-Zero a participé à la défense du poste, effectuant la plupart des 56 arrestations du jour. L'un des plus célèbres chefs du gang, Estevez, a été abattu. Le comité de défense civile a confirmé que les récentes attaques de gangs sont très bien organisées et coordonnées. L'enquête menée sur les gangs et leurs membres reste confidentielle. Les enquêteurs n'ont rien révélé des identités ou des objectifs des gangs. Mais ceux-ci ont montré qu'ils forment une véritable armée. Plusieurs grandes entreprises aident la police en lui signalant tout employé ou comportement suspect. On citera le géant de la comptabilité PPS, les déménagements Shiftit et le conglomérat de l'énergie Shiny Energy. 34 arrestations ont été effectuées grâce aux informations des employeurs. De nombreux employés sont interrogés après la découverte d'armements et d'explosifs artisanaux dans les locaux de la société. Si vous soupçonnez quelqu'un de faire partie d'un gang, veuillez contacter les services de police. Pendant ce temps, T-Zero, la nouvelle unité anti-émeute, obtient quelques résultats. En tout juste un mois, T-Zero a interpellé 90 suspects liés à des gangs. Et le mois dernier, plus de 200 membres de gangs ont été mis sous les verrous. Ce qui est un record depuis 2002. Nick Mason, un agent de T-Zero, a été surnommé « l'ange d'Hope Street » par la police locale après ses exploits pour défendre le poste. Mais le public reste partagé sur T-Zero, considérant que les millions de dollars dépensés n'ont guère rapporté. On m'apprend qu'un attentat s'est produit au canot de Southside. La police a bouclé et évacué la zone, mais des policiers et du personnel médical sont piégés. Ils ont été attirés vers les docks par de faux appels au 911. T-Zero et les renforts de police sont en route. L'hélicoptère de Channel 7 News est sur place et nous pouvons confirmer qu'il y a des otages. Bientôt, plus de détails sur cette affaire. Channel 7, vous informez à notre métier. Content de vous revoir, messieurs. On a une équipe médicale coincée au milieu de cet enfer. Maniez-vous des trouvés. J'ai une ambulance en visuel. Elle a brûlé. Attaquée par un membre de gang.